Dodo l'oiseau, le téléphone sonne. Dodo l'oiseau. Peut-être que si vous criez tous très fort avec moi, réveille-toi Dodo l'oiseau, elle va se réveiller. Vous êtes prêts? Réveille-toi Dodo l'oiseau. Réveille-toi. Le téléphone sonne. Tu dois t'en aller. Ah oui, je comprends. Pas de problème. Nous allons trouver quelqu'un pour garder bébé oiseau en ton absence. Demande-leur. Non. Toi. Pas tout. Ramasse. Dodo l'oiseau aimerait savoir si l'un de vous serait d'accord pour garder bébé oiseau pendant quelques heures. Non? Et si celui qui accepte de le garder n'est plus obligé de tout ranger? Qui est-il, Pato? Ah, tu veux bien surveiller bébé oiseau? Magnifique! Par conséquent, c'est toi qui vas devoir ranger toute cette pagaille, Pocoyo. Pas juste. Coucou, bébé oiseau. Fais une bonne sieste. Ta maman n'est pas là, bébé oiseau. Elle est partie pour l'après-midi. Alors, calme-toi, bébé oiseau. Oh, regarde, c'est ton amie, la petite chenille. Ah, tu serais content si la petite chenille pouvait rester avec toi. Mais oui, ça me semble être une très bonne idée. Bon courage, Pato. Ils imitent ce que tu fais, Pato. Ah, c'est l'heure du goûter. Pardon. Ta maman te donne autre chose. Du gâteau. Si Pato te donne un peu de gâteau, tu arrêteras de crier et tu iras directement te coucher, d'accord? Oh, chut. Pato, j'ai l'impression que la petite chenille veut aller aux toilettes. Tout de suite, vite, vite, dépêche-toi. Ah, trop tard. Enfin, c'est l'heure d'aller se coucher. Ah, ta maman t'emmène toujours faire une promenade sur la lune avant de te coucher. Ah oui, eh bien. Mais après, tu promets d'aller au lit. Et maintenant, au lit. Pato a vraiment besoin d'aide. Regarde-le. Ici, sage.
Non, pas tôt. Eh oui, c'est difficile de faire du babysitting. Oh, j'ai trouvé. À votre place, moi, j'unirai nos forces. Qu'en pensez-vous, les enfants? Vous ne croyez pas qu'ils devraient travailler ensemble? Si, ils doivent travailler ensemble. Bébé oiseau aimerait savoir ce que vous faites. On dort. Ah, Pocoyo et Pato ont très sommeil et ils vont se coucher dans vos lits. Vous êtes d'accord? Non. Vous voulez que Pato et Pocoyo aillent dormir dans leur lit? D'accord, pas de problème. Vous êtes tellement bien débrouillé que Dodo l'oiseau vous propose de venir garder son fils tous les après-midi. Et vous, les enfants, croyez-vous qu'il devrait accepter? Oui, oui, il faut qu'il accepte. Bon, ça va aller. Un grand bravo pour le travail d'équipe. Au revoir et à très bientôt.